Alors, on me confirme, déjà heureux à tout le monde. On est parti pour la deuxième partie de ce live et on me confirme que le sélecteur de qualité est là. Là, on a levé un gros lièvre bien gras quand même sur Twitch. C'est vraiment pratique de le savoir. Ça fonctionne. Bon, je pense qu'il faut certainement un nombre de viewers suffisant que pour avoir le sélecteur. Mais bon, dans mon cas, ça marche quasiment à chaque fois, donc c'est super. Merci à Zeker d'avoir un petit peu insisté pour que je le fasse. J'aurais peut-être pu le faire plus tôt, effectivement. Mais je sais pas à partir de combien de temps ça peut marcher. Donc peut-être si on l'avait fait après 10 minutes, ça n'aurait pas marché non plus. On a déjà vu plusieurs fois que ça marchait après une demi-heure. Donc peut-être les autres fois, on fera une pause. Je pourrais peut-être faire aussi la prochaine fois, c'est faire un faux départ. Genre relancer le live et puis on commence plutôt vers quart. Avant, on discute un petit peu sur le chat. Et on lance seulement après quand on est sûr d'avoir le sélecteur. Peut aussi se faire. Mais il faut que les gens aient un peu de patience, alors ça peut être un peu compliqué. Bon. Alors, RTS me proposait au niveau des priorités, puisque j'ai dit que je voulais que mes machines qui fonctionnent relativement tout le temps soient sur 7, peut-être la nourriture, on pourrait quand même la mettre sur 8 pour être sûr. Je trouve que c'est une bonne idée. Je veux que ce soit à 8, absolument. Parce que ça, c'est un must-have. Par contre, effectivement, la recherche, en plus on est en avance, on pourrait baisser. 5 c'est la moyenne donc on pourrait baisser à 4 en se disant on fera de la recherche quand on aura vraiment rien d'autre à faire. Mais bon, j'ai quand même envie que ça avance donc on va laisser sur 5 qui est le truc de base. Je vais mettre à 8 la cuisine. Ok. Donc est-ce qu'on a récupéré des lice, des 1000 lice? J'en ai pas. Mais pourquoi j'en ai pas? Parce qu'ils la mangent en fait. Alors qu'on pourrait la transformer. Je vais laisser comme ça pour l'instant. On a 3002, c'est pas trop mal. Manque de CO2, ça va revenir maintenant qu'on a relancé correctement la machine. Alors comment est-ce que ça avance ici? C'est pas encore connecté, c'est pas fini. Va se faire. Faut que ça se fasse parce qu'on a quasiment plus d'eau là. Le problème, vous voyez, on perd un temps fou. On perd un temps fou à nettoyer la base des germes. Alors, du coup, j'ai pas mal. On va passer un petit peu de temps également à faire de nouveau le merveilleux petit engin. Plus les endroits où on a pas mal de slime qui est stocké. Alors là, dès que ce sera terminé, on va stocker le slime, tout ce qui produit du... Tout ce qui produit de l'air contaminé, je vais stocker là. Comme ça, il va se faire intercepter ici avec ce qui sort de l'eau contaminée. Ça me paraît un bon plan. C'est bon, là c'est pas fermé, on se demande bien pourquoi. Ça devrait l'être. Elle a pris de l'eau, où est-ce qu'elle a pris de l'eau? Pourquoi? D'accord, pour ceci. Pas forcément besoin de plus, il n'y a plus de CO2 en bas dans ce coin-là, donc... On va laisser ces 2 x 3, ça me paraît bon. Ok, là c'est terminé. Ce qui veut dire... Encore attendre ici. Vous savez quoi? Je veux pas trop attendre. Il me semblait que j'avais mis en priorité 8 ça. J'ai dû oublier de le faire ici. Salut Parka Grise. Alors, on est à 8800 kilocal, ça me paraît un bon moment pour prendre un nouveau duplicant. Et oui, on aime le risque. Alors, on n'a besoin de rien en particulier, donc je vais juste prendre quelqu'un qui est efficace. Décor, attendu décor, toi je te veux pas, 20 c'est beaucoup trop. Moins 30 c'est bien, destructeur c'est pas trop grave, enfin, c'est embêtant mais peut pas se battre, c'est pas grave. Amphibie et plus 2 à toutes les capacités le matin. Mais sinon il n'y a pas grand chose donc ça m'intéresse pas trop. Après il va apprendre, hein, c'est pas ça le problème. Mais 4 en construction et 2 en minage c'est pas mal parce que on pourra en faire un mec à tout faire. Voilà, on va prendre Burt, mais on va le renommer, évidemment.
Et là, je vous lis pour voir qui voudrait être remplacé Burt comme manœuvre. Alors, Sir Black Smoke, malheureusement, n'a pas le sélecteur. Bah écoute, désolé. Bonne soirée à toi, merci d'être passé. François, Hertes, Mister Tofu. On va mettre Mister Tofu. On l'imprime. Hop, on va pas oublier de lui faire un lit tout de suite. Comme ceci. On va creuser un peu ici pour aménager un peu la base. On ne produit pas assez d'oxygène, incroyable. Oh, c'est possible, oui, c'est parce que ça fonctionne pas et en fait on est resté sans énergie pendant un petit moment. Chose que je ne comprends pas puisque ce truc là fonctionne. Il va être temps de faire des batteries un peu plus costaudes. Hein. Je vais m'en occuper. Mais il est vraiment temps. D'accord, je sais pourquoi ça marche pas. C'est parce que ce machin-là ne fonctionne pas. Parce que ici, le sol est détruit à cause de ça. Ça va remarcher après. Alors, on relance et on y va. Alors vous voyez que l'exploration et le pétrole, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais je pense qu'on aura quand même bientôt fini à aménager la base. Et on pourra alors peut-être passer un peu de temps à explorer, j'ai envie. Donc dès qu'on aura fini de régler les tout petits problèmes qu'on a eu ici, on va commencer à pomper de l'eau là. Je vais pouvoir être un petit peu soulagé. Alors regardez, on a des 1000 lice. Alors ici, on va changer. On va enlever ça, on va mettre ceci. Ici, on va laisser ça, c'est bon. Ça, ça fait plaisir à voir. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Les deux réseaux fonctionnent et on a l'eau qui passe ici et qui va remplir le réservoir. Là, nickel. On va vider tout ici. Après, on fera un nouvel étage là. On va récupérer également des algues. Il reste 7 tonnes d'eau, donc ça va. Alors on a fini une nouvelle recherche, on va relancer la modulation de la température, c'est parti. Mister Tofu demande, et la paye c'est combien? Est-ce que tu parles de ton rôle de clone? Qui est tout à fait bénévole, forcément. Tu as le plaisir de participer à une base magnifique. Ça, ton paiement. Alors, on va aller voir ce qu'on va mettre dedans. Donc, on va mettre la terre polluée. On va mettre le slime. On peut mettre également de la pourriture. J'imagine que ça produit de l'air contaminé aussi. Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas besoin. Si on trouve d'autres choses qui produisent de la contamination aérienne, on pourra toujours le faire. Voilà. Donc ce que je vais demander, parce que ça fait longtemps, c'est qu'on nettoie la base. Ça va prendre du temps. RTS est pour une base plus grande, parce que c'est notre projet. Effectivement, mais mon projet c'est aussi d'explorer. Et mon projet c'est également, comme on me l'a suggéré, d'agrandir ici et de faire ici une pompe. Et on fera alors une salle des machines quelque part ici pour transformer l'eau polluée en eau potable. En plus, c'est pas loin ici, donc c'est bien. Donc, on a encore du boulot. Alors ici, j'avais pas fini non plus. Ça bloque les liquides. C'est peut-être mieux. Et on va mettre
des portes, des bêtes portes comme ça parce qu'on s'en tape pour le dortoir. Au contraire, on veut que ce soit le plus ouvert possible. Mais au moins, on aura un dortoir qui va être fonctionnel. Et ça, c'est bien. Le stress ne fait que baisser, c'est bon. Le système immunitaire est plus ou moins ok. On produit pas assez d'oxygène. Je pense que ça va aller mieux cette fois-ci parce que les deux machines fonctionnent. Non, non, c'est bon. C'est bon, il n'y a aucun problème. Nourriture, 6200 kcal. Donc c'est bon. Est-ce qu'on produit... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a rien là-dedans. Le Lice Loaf devrait se stocker. Il est là par terre. Peut-être parce qu'il le mange directement, je sais pas, c'est un peu bizarre. On va mettre 7 en priorité. C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'est pas en priorité haute et ils ont toujours autre chose à faire, possible. Alors ça, on devrait le remplacer éventuellement par un truc qui ne demande pas d'être vidé, ce sera mieux. On a des tuyaux pas loin, donc ça me paraît faisable. En termes de tuyauterie, est-ce qu'on peut faire des ponts ou pas? Je pense que oui. Liquid Bridge, ok. Ok, on va déconstruire ceci. Et on va faire la version améliorée. Qui est le sink. Comme ça, on ne devra pas s'en occuper. Ce qu'il faut faire, c'est une arrivée d'eau. Vu comment c'est coincé là, visuellement, on voit très bien que on a de la marge. On va faire un pont qui va rejoindre. On peut faire même un pont, en fait, dans le sol. On va s'en priver ici. Donc les verts, c'est les sorties. Donc on va faire ceci. Voilà, c'est simple, efficace, je pense, pas mal. Marcagris me demande si je vais faire des lives sur les vieux jeux. Possiblement, pourquoi pas. Mais pour la chaîne, je suis plutôt parti sur les jeux, de jouer à des jeux récents, relativement récents. Je fais pas de rétro gaming, en tout cas j'en fais plus. J'ai essayé une ou deux fois de faire un ou deux jeux, mais ça n'a jamais très bien fonctionné. Donc a priori quand même pas trop. Manque de nouveau de nourriture. 7700, non ça va. Mon dieu. On reconnaît même encore les verres. C'est vraiment dégueu. Et là... Il faut 2000 kcal de mush fry pour pouvoir faire ceci. C'est pas ce que je fais en fait, mais... Les Lice Loaf, on ne peut pas s'en servir pour faire quelque chose de... Ah si, on peut faire du pickled meal. Ça demande du 1000 lice seulement. Ah mais c'est le truc de base en fait. Faut que j'arrête de faire ça ici et je peux faire alors ça là. J'ai 100 kilocalories en plus, pourquoi ne pas le faire? On va regarder si ça peut marcher comme ça et là on va l'arrêter et faire ça à la place. En plus ça demande pas d'eau donc c'est mieux. J'ai un peu de mal à voir pourquoi on ne ferait pas ça. Warkald a l'air d'adorer cuisiner ce genre de truc, il est à fond le gars. On a commencé à stocker ici au frigo, c'est bien. 4 degrés à l'intérieur, parfait pour un frigo, franchement pas mal. Et on a toute une série de choses dedans. On a même des champignons. Donc, si je veux, je peux arrêter de faire ça et faire des champignons après aussi. Cool. Ça commence à aller mieux. Ça récolte.
Au niveau de l'énergie, on l'a séparé un peu, c'est mieux, même si... Pour bien faire, je devrais ici... rediriger quelques petits trucs vers le bas. Mais quand je ferai plus haut un autre réseau, on pourra accrocher. Pas trop un problème. Ok, je pense que c'est le bon moment pour explorer un peu. On a la nourriture qui arrive vraiment vite. Je pense qu'on va explorer un peu. Je vais attendre peut-être un petit peu que les clones nettoient. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'espace de stockage, donc je vais refaire. On a l'espace pour ici, notamment. 1, 2, 3, c'est déjà pas mal. Ça n'est pas mal du tout. Il faudra également, quand j'aurai fait ma machine pour nettoyer l'eau polluée, que je la connecte avec là pour vider progressivement ce bac-ci. Mais sinon, tout ça, c'est pas mal. Faire ça pour leur permettre de terminer ici les travaux. Ouais, on va faire un peu d'exploration après cette nuit-ci, je pense. Ou alors, je vais faire peut-être un système... de soins. Je pense qu'il est temps de faire un petite salle de médecine. On a besoin de quoi? De toilettes, d'un lit médical et d'une table. Ok. On pourrait faire ça... J'ai l'impression que ça va me prendre un peu de place. Et en plus j'ai besoin de toilettes, donc on va faire ça de ce côté-ci pour pouvoir connecter au système d'eau qui est là. Kanash me rappelle que j'ai beaucoup de sport dans la base. Ils viennent d'où ceux-là? Ah oui, même les minerais peuvent être contaminés dans le jeu. Mais bon, ça se propage pas encore trop, donc c'est pas trop grave. Ils vont décontaminer. Franchement, bon, c'est un peu inquiétant, c'est vrai. Et là, je vois pas trop comment faire. Apparemment, on a des germes d'une maladie particulière ici. Alors, comment s'occuper de ça? Il faudrait que je fasse ceci. Je vais essayer de retrouver où ça se trouve. Le ore scrubber qui va tuer les germes dans les minerais, justement. Ça va demander de la chlorine. Du coup, il faudrait que je fasse un système de pompe d'un endroit où il y a de la chlorine. Vous voyez que c'est pas... Ça va demander vraiment beaucoup de temps à faire. Je vais essayer de continuer comme ça pour l'instant. On va essayer de faire un endroit donc pour faire une zone de médecine. Et ça va être ici. Ça va être ici. 4 de haut. Là, on va enlever l'échelle parce que j'en ai plus besoin. Il y en a une autre à côté. Là, on va peut-être fermer. Je pense qu'on va faire un sas en fait. Et ça va nous permettre de vraiment clôturer la base en hauteur à droite. Parce qu'ici on a du slime, je veux que ce soit fermé correctement. Alors est-ce que ça pompe toujours bien? Ça pompe, du coup ça se remplit un petit peu maintenant. Voilà les pickles. C'est cool parce que ça n'utilise pas d'eau, donc il n'y a vraiment aucun truc négatif à faire ça, je pense. C'est plus 100 kilocalories. Ah, peut-être que en fait c'est pas l'effet de base plus 100, c'est plus 100 tout court. Donc ça réduit en fait fortement leur Non, je pense que c'est en plus parce que là, effet, c'est plus 1000 sur le Bristleberry. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez pendant que je vous lis. Alors, Zeker me dit nettoie en priorité tout en bas à droite, près de l'échelle. Ouais, le chat s'est barré vers le haut.
Il y a un truc qui dégage des germes. Je vois pas exactement où c'est en fait. Bah, du coup c'est bien, je pense, 100 en plus. Du coup ça produit pas grand chose. Hein. 300 plus 100 ça va faire 400. Alors que si je fais... Ceci ça va faire... 1000 lice ici il est à 500. Ici on me l'indique à 300. Je pense que c'est un bug. Ah non, d'accord, ça demande 300 kilocalories de 1000 lice, d'accord. Ça va faire plus 100, alors qu'ici ça en demande 500 et ça fait plus 1000. Donc forcément, c'est bien plus intéressant. On va remettre ça. Et j'ai du champignon, donc on va faire un peu du champignon. Là, c'est plus 1000, donc c'est intéressant aussi. On va essayer ça. Donc il faudra surveiller de temps en temps que les... On va dire que les composants, les ingrédients sont disponibles et puis changer en fait ce qu'on n'a plus. J'ai oublié la priorité des jobs pour effectivement pour toi Mister Tofu, merci de me le rappeler. Et je voulais plutôt... Quoi qu'en art t'es pas mal en fait. Hein. J'ai déjà deux qui sont bien meilleurs que toi donc je vais t'enlever. Et je voulais vraiment faire un manœuvre, donc on va laisser tout ce qui est en bas. Je vais enlever tout ce qui est tinkering, parce que toi, ce qui est, t'es bon en minage et en construction. Donc, tout ce qui est digging, athletics et construction, je vais laisser. Très bon rappel. Donc ici, attention, c'est vers la gauche. On se lave les mains avant d'aller faire la nourriture. On a 0% de stress, je sais même pas comment c'est possible, et on est à 5 alors que je fais rien, mais je pense que c'est peut-être que de temps en temps ils vont faire un tour sur la table de massage, mais je suis même pas sûr. Ça y est, on a fini, on a maintenant les cases qui sont isolées. On va aller vers bon, les habits, j'ai pas besoin pour l'instant. Vous voyez qu'on peut faire des combinaisons complètement fermées maintenant pour sortir à faire de l'exploration et éviter les incidents de contamination notamment. De chaleur aussi, de froid, ce genre de choses, le vide sans doute aussi. Bon, on va faire ça comme ça si jamais je tombe sur du... On aura bientôt fini en plus toutes les recherches, ça va nous libérer. Et voilà, donc là on a stocké tout ce qui était puant. Je vais accélérer parce qu'ils vont, ils vont récolter. Ça c'est bien. Est-ce qu'on a encore de l'algue? 7 tonnes 4, c'est bon. Ok, on va faire un peu d'exploration. Et j'aimerais bien aller vers le... Alors le haut ou le bas. Est-ce qu'on a des problèmes de chaleur? Peut-être commencer tout doucement. J'aimerais bien aller vers le haut, je pense. On avait déjà commencé. On va continuer un peu. Je vais faire passer une échelle par ici. Là, ça fait un peu peur. Je vais faire plutôt ça comme ça. J'ai peur que ça pète en fait ici. J'aurais pas mettre en vitesse accélérée quand je surveille pas. Voilà, on a de la glace ici. Donc ça c'est cool, on va aller voir ce qu'il y a. Et éventuellement ramener des Wizwords qui vont nous permettre de refroidir la base aux endroits où c'est nécessaire. Vous voyez, je sais que je peux aller vers le bas et avoir plus de chances de trouver le pétrole, mais... Je veux avoir des possibilités de rafraîchir si je le souhaite. Je vais d'abord aller voir en haut et puis on ira voir en bas. Ce que j'aimerais bien trouver également, c'est les fameux geysers. Je sais pas si... J'ai pas de chance, j'en ai jamais en fait. Je comprends pas.
Alors on a 14 000, on va prendre un dernier clone et rester à 10 pendant un petit moment après, je pense. Essayer de se stabiliser. Alors il ronfle, on le veut pas. Moins de force, ça veut dire pouvoir porter moins de choses. Et comme on... Bon, elle a plus 4, donc c'est un peu bête. Aucune capacité spéciale, bof. Alors vessie moins efficace, c'est embêtant. Par contre, complètement inculte, c'est pratique. Et plus 8 en tinkering, je pense pas que j'ai quelqu'un très spécialisé là-dedans, donc on pourra peut-être le spécialiser en manipulation des machines. Pour qu'il fasse ça au top. Donc je vais prendre Jean. Alors attendez, Hertes me dit que sur mon exploration, j'ai une case qui peut casser proche d'Ossal. J'irai vérifier. On a pas mal de gens qui voulaient... le nom. Mister Tofu me dit que les geysers de gaz naturel ont changé de skin depuis la réintroduction. Ça ne change rien pour moi, je te remercie, parce que je ne l'ai jamais vu, donc... je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ça pourrait être une mission pour vous, les amis qui regardez le stream. Si vous voyez un geyser et que je passe à côté pendant que j'explore, vous criez très fort sur le chat pour m'avertir. Donc Artwain, Dioxide, Hertes. Alors je vais prendre Hertes qui m'a laissé pas mal de bons conseils déjà depuis le début. Et je sais honnêtement plus qui a demandé en premier, donc... Ah, Chian est présent et déjà depuis la dernière fois, le dernier live, il avait demandé quelqu'un qui a un look asiatique, donc ça me paraît parfait. Je me souviens très bien de ta demande de la fois dernière. Donc c'est parti, tu seras technicien. Juste quand t'arrives en plus, c'est excellent. Nego. Oh, j'espère que je te l'avais pas déjà mis en fait. J'avoue que j'ai un doute. Je crois pas. Non, non, c'est bon. Donc. Les massages. Tu vas être le masseur du... Avec JPC. On va t'enlever cooking parce que t'es nul à ce niveau-là. Compost, c'est pas mal. On va laisser juste ce en quoi t'es bon. Et puis, évidemment, je laisse tout ce qui est en bas parce que tu n'auras pas si souvent l'occasion de faire ces tâches-là, donc tu vas être manœuvre comme tout le monde. Il n'y a pas de raison. On va te faire un lit. Voilà, a priori, là, on va s'arrêter un peu au niveau des recrutements. J'ai trop peur de faire tout foirer. Le niveau monte, là, c'est bien. Là, ça diminue. On va récupérer un peu d'algues, peut-être. Faire un beau niveau, ici. L'échelle jusqu'en bas. Ok, tout ça n'est pas trop mal. Là, par exemple, on me dit qu'il n'y a plus de possibilité de faire ça. Bon, je vais remettre ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Barbecue. Je regarde les ingrédients nécessaires. J'ai pas tout ça. J'aimerais bien faire des bristleberries et c'est pour ça aussi que j'ai été en haut pour essayer de trouver de quoi refroidir une pièce. On pourrait les faire alors. Je vais laisser ça au moins quand on aura des champignons, on a une chance que ça se fasse. C'est bon. Les lice meal, quand ça fonctionne, eh bien ça donne quand même pas mal de kilocalories, donc c'est bien. Là ça pousse, là c'est bon, mais il faut nettoyer tout ça et ça va nous prendre un temps quand même assez important. Pour l'instant, là, on va explorer. Je vais monter un peu la priorité pour que ça se fasse plus vite. Alors, j'avais dit que je ferais une salle également de médecine. Le seul truc qui est un peu dérangeant dans la base pour l'instant, c'est les systèmes immunitaires qui sont un petit peu flageolants, on va dire.
contamination dans ma base, on l'a bien circonscrite. J'ai bien fait de faire des murs. Je pense que ça passe apparemment encore un peu, mais c'est pas trop mal. Fonctionne pas trop mal. Au niveau de l'oxygène, on arrive bien à empêcher la contamination de passer avec ce système-là. Je suis assez content de l'idée, là. Sans vouloir me lancer des fleurs. Alors, Koinski me rappelle la fissure dans mon exploration sur la poche d'Ossal. C'est où? C'est en haut? Effectivement. Vous avez l'œil, hein, ça fait plaisir, là, parce que... On va passer sur la gauche. Je vais annuler ça. Ça devrait aller. J'espère. Alors du coup, si je veux que ça avance, on va faire ça. Cool. Cool, cool, cool. Alors on sait pas tout faire en même temps. Hein. Je me rends bien compte que dans ce stream, on va avancer, mais on n'arrivera pas à terminer la partie. Hein. J'ai fait quoi 3 heures la fois dernière. On va faire ici encore genre 3 heures. Donc, ça, c'est bon. Il faudra quand même bien qu'il nettoie la base, donc je vais les laisser. Faire tout ça. Toujours ces saloperies de slime qui contaminent. Alors qu'est-ce qu'il me dit? J'ai 9200 kcal disponibles et mes duplicants, s'ils mangent à leur faim, c'est 10 000 par cycle. Oui. Effectivement. Alors voilà le nouveau. Il a l'air tofu, mais il a pas l'air bien décidé à travailler en fait. Il est redescendu. C'est relativement respirable là-bas en haut. Bonne chose. Une porte de sécurité. Cool. Alors ils font quoi les gens? Alors j'avais dit que je voulais faire des batteries supplémentaires aussi. Et évidemment alors je veux les faire dans le côté de ce côté-ci. Ce qu'on pourrait faire ici c'est de toute façon prévoir de les faire ici parce que c'est un peu loin du reste. Je pourrais fermer ici avec des cases isolées tout ce côté-ci en fait pour éviter que la chaleur arrive à droite. Donc je pense qu'on va mettre des batteries ici. Pas les mettre trop collés pour éviter peut-être l'abus de chaleur. Surchauffe. On va déterrer ceci. Et après je ferai la case ici de support. Bah ça devrait aider. Algues, 6 tonnes 7, ça diminue tout doucement, il faudra vraiment explorer quand même pour ça aussi. Alors on va aller sur les côtés aussi, à gauche, à droite, je vais aller en haut, en bas, à gauche, à droite pour trouver ces fameux geysers. Pas possible. Voilà un Wizwort, alors je le veux. Et ici on a une nouvelle plante, le Sleet Wheat, wheat ça veut dire du blé. Ce serait du blé glacé. On va voir ce qu'on peut en faire. Je vais monter ici. Et là. Pour aller le récupérer ici.
Alors, générateur au gaz naturel, évidemment, il faut que j'en trouve. Recherche maintenant la manufacture de plastique. Ce serait cool si au bout de ce live, on pourrait juste générer un peu de plastique. Mais je suis pas sûr d'y arriver. Déjà, survivre, c'est déjà bien et progresser, hein, donc... Que se passe-t-il? Ah, il me signale que j'ai pas assez de nourriture, d'accord. Je pense qu'on manque également certainement de table de messe maintenant qu'on a recruté plus de gens. 6, 7, 8, il m'en manque 2. Ici ça pousse pas mal, on va récolter des champignons. Ok, on va accélérer, j'ai demandé pas mal de choses. Il faut attendre. Peut-être qu'en mettant deux épaisseurs, une épaisseur de deux couches, mais bon. Là, j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Kanache me demande, est-ce que je vais aller voir la porte en haut? Oui, oui, on va y aller. On va y aller. Il y a peut-être moyen de récolter des choses, hein. Bon, là, apparemment, on sait rien faire avec ça. La table. On sait pas récolter ça, donc bon. Ça sert à rien, mais... Excellent. Un distributeur de bouffe. Exactement ce qu'il me faut. Alors on peut fouiller dedans. Notice au personnel, à tous, de l'administrateur Gravitas Facility Nova. Ça, c'est la facilité Gravitas, c'est une ancienne base qu'il y avait ici. Des cultures non attendues. Pour la santé et la sécurité des employés de la base, ne stockez pas, s'il vous plaît, des cultures de bactéries non répertoriées dans le frigo de la cafétéria. De manière similaire, soyez avertis que la... le dishwasher, c'est le lave-vaisselle, je pense, de la cafétéria, est incapable de manipuler des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, c'est des petites boîtes dans lesquelles vous faites des cultures de bactéries. En dépit de la nomenclature. Ok. Alors, recherche complète. Puits de pétrole, presse à polymère pour faire les plastiques, j'imagine. On va aller sur la ventilation améliorée, je pense. Peu importe. On est de toute façon en avance. Manque de bouffe, on est à combien? 8700, ça va encore, on se maintient. Il y a plus de lice loaf, de 1000 lice, donc je vais faire du mush bar pendant un petit moment. Ça va se faire. Allez, je vais vraiment plus me donner de nouveaux ordres. JPC me rappelle que dans le dernier live, j'avais dit que je ferais une deuxième cuisine. Et je... C'est vrai que je l'ai dit, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, en fait. On va essayer d'en rester avec une, parce qu'il faut pas non plus que je... J'ai pas 36 000 clones non plus, tu vois, donc... je pense qu'avoir déjà deux postes, c'est suffisant. De faire dodo. Pas de ronfleur, donc c'est bon. Surveiller ici, hein, parce que c'est que du sable, hein, mais ça tient. Ça a l'air de tenir. Voilà, là on a fini, donc je vais pouvoir déconstruire ceci, ça sert plus à rien. Ça permet de nettoyer un petit peu le truc.
Vous allez me dire, c'est un ordre supplémentaire. Oui, mais avouez quand même que là, c'est pour... ça me sert à rien de garder ça comme ça, donc on va l'enlever. Ça consomme en plus. Bon, là, elle consomme pas parce qu'il n'y a pas de liquide, hein, mais... vous m'avez compris. Alors, les tuyaux, je vais éventuellement les laisser parce que ça, on pourra s'en resservir plus tard pour aller chercher de l'eau là, par exemple. Juste enlever ceci. On va déconstruire la pompe. Et je vais enlever ces câbles là, mais les autres je vais les laisser parce que ça me fait un réseau en bas ici de toute façon. Du coup il n'y a plus rien dessus sur ce réseau, hein. C'est un peu bête mais on ira bien par mettre d'autres choses. J'enlève ça. J'enlève ça. Et ceci. Et là, on a récupéré un étage supplémentaire. Je sais pas encore ce que je vais faire. Éventuellement déplacer les terrariums en bas, puisque le CO2 a tendance à s'accumuler en bas. Donc si je veux le choper le plus tôt possible, c'est mieux si je l'ai fait en bas. Je pense que je vais probablement les déplacer ici en dessous. Ça me fait un espace plus central récupéré, c'est toujours bon. Le générateur fonctionne, les... ouais, génial, les champignons ont plein de CO2. Du coup, je pense qu'on va essayer d'en replanter. Ok. On me dit que j'ai un lit obstrué qu'il faut creuser pour le libérer. Si c'est pas le cas... ah oui, tiens. Bien vu, Zeker. Je te remercie. Alors là, ils sont encore en train. On va creuser là et on va faire... un airlock. Devrait limiter la contamination, a priori. Ça avance bien. À terme, j'aurai ceci comme ça. Les échelles ne serviront à rien, mais on va d'abord creuser là pour les détruire après. Alors, l'oxygène, c'est très bon. Les algues, ça diminue toujours. Donc dans le pire des cas, pour l'oxygène, on peut très bien faire un électrolyseur, mais ça utilise de grandes quantités d'eau. Et pour l'instant, l'eau, c'est vraiment, je trouve, un problème un peu inquiétant. The Hafner propose de mettre comme job de uniquement ramasser les objets par terre. Oui, mais je préfère qu'ils le fassent quand même quand ils ont un peu de temps libre. Et si tu regardes bien, il n'y a plus tant que ça à ramasser en fait. Ils ont déjà ramassé pas mal. On va déjà en fait faire d'autres stockages parce que j'ai plus de place. Donc on va refaire ça. Et combien la portée encore? 2. C'est ainsi. Notez que j'aime pas quand c'est pas bien. Voilà. J'aime mieux comme ça. Arose propose de récupérer de l'eau dans le biome de neige. J'ai déjà essayé dans une partie précédente de faire fondre la neige, ça demande des quantités de chaleur incroyables et un temps dingue. Donc là j'ai pas trop envie de retenter parce que ça n'avait vraiment pas bien marché. J'ai pas l'impression que c'est la...
la fonction première de ce biome. Même si c'est très tentant, bien sûr. Mais dans mon cas, ça n'avait pas trop marché. On va creuser. Et aller récupérer là-dedans la nourriture. Nourriture. Oh, 26 000 de... Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pourquoi on a autant de nourriture? C'est parce que j'ai mis Microm Masher, du coup il n'y a plus de limite. C'est nos limites. Je vais remettre ça. Le frigo est plein d'ailleurs. Mais bon, maintenant qu'on a remis l'autre truc, ça va se revider. Je pense, j'aurais intérêt à en faire un deuxième quand même pour éviter les soucis. Mais du coup, j'aimerais bien le mettre sur l'autre système. Ça va faire un peu loin. Quand même que la nourriture reste là. Non, je vais le laisser là. On est à combien ici? 440, hein, c'est vraiment trop, mais... Je veux refaire un autre passage du gros câble et faire un autre système. Je devrais mettre un truc comme ça. Je peux le mettre là et puis faire un décroisement, hein, bien sûr. C'est toujours une possibilité. Voilà, ça va baisser un peu. Là, déjà, il y a de la place. Et je voudrais bien que ça se stabilise, qu'on puisse partir en exploration plus. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre en priorité quand même plus haute ici. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe quand on arrive. On a Loftlow et Lumvert qui sont mis sur le coup. Alors The Hafnor, les 68% c'est pas les spores, c'est l'immunité. Donc plus c'est haut, mieux c'est. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais pas autant que tu pourrais le penser si tu penses que c'est les spores. Non, c'est pas ça, c'est le système immunitaire qui va baisser au fur et à mesure qu'ils sont exposés à des spores. J'ai demandé que ça se dégage, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Alors, ce qu'on peut faire hein, pendant qu'ils travaillent, c'est faire des plans. Alors, pour faire des plans sans que ça se fasse, il suffit de mettre priorité 1 quand on dessine. Et du coup, il n'y a rien qui se fait. Plus tard, il faudra augmenter la priorité. On va être de nouveau en manque d'eau. Donc, je pense qu'on a intérêt à faire les plans de... Je pourrais faire de nouveau une pompe pour pomper. Là, il y a vraiment beaucoup d'eau. Donc on sera tranquille. Pour un bon moment. Mais à la limite, j'aimerais bien garder ça pour un autre usage éventuellement. Je ne veux pas avoir un seul réservoir d'eau claire. Donc j'ai envie de faire peut-être le système de nettoyage. Seulement si je fais ça, j'ai peur qu'on fasse pas grand-chose d'autre aujourd'hui. On découvre rien de plus, ça m'embêterait un peu. Mais ça pourrait se justifier quand même. Alors ici, on pourrait faire une porte et accéder par là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais quand même le faire parce que j'ai vraiment pas envie que ma base crève. À cause de négligence de ma part. Donc on va essayer d'éviter. On va accéder là pour pouvoir récolter les champignons. Il manque de CO2, ça ne servira pas à grand chose.
Donc le but ce serait... Alors je pense qu'on peut creuser ici. Ce que je vais faire, hein, c'est qu'on va creuser là. Creuser un puits ici. Venir là. Et puis ouvrir un trou là. Ça va se déverser là. Si jamais ça déborde, ça va retomber là. Et donc il n'y a pas de problème. On n'a pas de risque que ça vienne dans la base. Et après je pourrais venir creuser tranquillement et faire ça un petit peu plus proprement. J'espère que je ne vais pas faire de boulettes. Mais ce serait l'idée. Voilà comment ça se ferait. On va mettre ça comme ça. Une échelle pour accéder ici. Là, je vais creuser. Peut-être que les clones qui vont travailler sur le projet vont avoir quelques petits problèmes. Alors ce que je vais faire aussi quand on va avoir comme ceci des endroits vers des endroits contaminés. On va faire un double sas et on va mettre un endroit pour se laver de l'autre côté. Comme ça ils vont pas ramener les gènes à l'intérieur j'espère. On va faire un truc vidable à la main parce que ça va pas être si souvent que ça utilisé j'espère. Voilà, ça, c'est un peu simple, mais je pense que ça peut être pas mal. Alors on me demande, l'eau de la piscine en bas à droite est verte, est-ce que c'est normal? Ici oui, c'est l'eau contaminée que je sors de mes toilettes notamment, et que je fais tomber ici exprès. Je vais la retraiter après. Et j'en ai également besoin pour vider les éventuels bassins manuels qu'il reste. J'en ai encore un là, il faudra que je le change plus tard. Allez, on va rester en vitesse accélérée. 31 000 kilocalories, là ça devient abusé, dis donc. Ça devient abusé. Là je vais le laisser parce que c'est trop intéressant, il n'y a pas de raison de l'enlever. Et ici... Je vais enlever un peu, on le remettra après. Alors, recherche. Parti sur ça. Ce que je vais peut-être faire quand même, c'est mettre un nouveau... Un nouveau frigo. Parce que j'en manque quand même. On va réfléchir pour... Répartir mieux les... Peut-être mettre les frigos ici temporairement au moins. Ça, je vais les descendre de toute façon. C'est un effet positif sur le décor, donc je peux les mettre où je veux. On pourrait stocker ici les produits de ça. C'est pas gênant au niveau optimisation des déplacements. Donc on stockera ici ce qui est... Je vais regarder combien j'en ai ici par exemple. Voilà, le mill lice, c'est le produit de ça je pense. C'est ça, et ça se transforme en lice loaf et j'en ai plein. Donc raison de plus pour faire un stockage de ceci qui sera un stockage intermédiaire entre la production dans la ferme et là. Bon évidemment vous allez me dire j'en produis là aussi mais comme apparemment on en stocke beaucoup, ben je pourrais en stocker une partie là. Alors je pense quand même que je vais suivre le conseil, on va réduire un peu la priorité de la recherche à 4, ce sera moins prioritaire que la plupart des choses, donc ça va pas se faire vite. Mais j'ai plus besoin. On reste à 10 pour l'instant. C'est pas mal en termes de d'algues.
Il ne reste plus que 4 tonnes. Je vais couper temporairement celui-là. On mettra après. Manque pas de CO2, hein. Je pense que je vais déconstruire encore. 3 ici. Et on va faire des champis supplémentaires. Je pourrais faire un étage supplémentaire aussi. Hein. Juste un peu peur de la chaleur. Ah ça, ça produit de la chaleur à crever. Avec les batteries, ça va être encore pire. Ah, c'est malin. L'offflow est coincé à gauche. C'est malin. On va mettre la priorité max. Temporairement ici. Va falloir que j'isole, hein, éventuellement. Par contre, là, c'est pas isolant, donc je suis coincé. Champignons vont vite avoir trop chaud. On va déterrer des Wizwars et on va venir les mettre dans cet environnement-ci. Je vais regarder ce qu'ils consomment éventuellement. Ils absorbent la chaleur. Plus de décor. Franchement, c'est que du bénéf. Hein. D'aller me ramasser tout ça le plus vite possible. On va en mettre deux. Enfin, peut-être toujours un pour commencer et puis on verra s'il faudra plus. Je vais en mettre un là pour bloquer l'arrivée de chaleur à droite. Est-ce qu'ils peuvent... Ils résistent très bien au froid, hein, 5 degrés, donc je suis pas sûr qu'on arrive si bas. Je vais quand même pas le coller vraiment, je vais le mettre ici. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre Planter Box ici. Je vais le mettre là, on verra ce que ça va donner. Alors il est construit mais les câbles sont pas encore faits. On peut déjà régler. Donc on va pas mettre les repas, on va mettre les ingrédients. Je peux mettre tout, hein, y a pas de problème. J'ai mis... Je me suis trompé justement. Ah oui, mais non. Mais là, c'est ici. On va peut-être juste mettre ça et ça devrait déjà régler le problème de stock. Théorie. Waouh, ça commence à bien se remplir ici. Il faut vraiment qu'on fasse l'application de ce que j'avais dit. Faire une salle ici de décontamination de l'eau. Alors, Hertès me dit, d'après Zecker, que le jour où je veux isoler la base de l'extérieur, il faut le faire en deux épaisseurs. La première épaisseur vers l'extérieur en mur isolant. Et la deuxième en mur classique avec double porte, avec un écart entre les deux portes. Ok. Pas sûr de voir exactement ce que tu veux dire, mais... On va faire ça comme ça. En espérant que ça se passe bien. Et donc là, j'aurai la taille suffisante pour faire... On aura besoin de quoi exactement? De sable. D'eau polluée, bien sûr. De puissance. D'arrivée d'eau et de sortie d'eau, donc ça va, il n'y a pas de souci. Ça produit de la chaleur, j'imagine. 20 watts. Décor moins 15, bon. Il m'en faut une quand même le plus rapidement possible. Au niveau de la puissance. Je me demande bien si avec 1 on a assez maintenant. On en stocke aussi là, hein, donc ça aide aussi. Ça fait effet batterie.
Et là, c'est pas encore connecté? Ah, c'est pas encore construit de toute façon, donc... Mais apparemment, il n'y a pas de problème d'alimentation pour l'instant. Je peux continuer sur ma lancée. Ok, on y va, on va faire le design. Je vais prévoir assez grand pour pouvoir en faire deux. En fait, on va faire la salle juste à côté ici. Je vois pas pourquoi je me priverai de le faire. Sauf que pour l'instant, je veux pouvoir aller là, donc on va laisser ouvert. Et on va juste placer... ceci. On peut faire une rotation, mais donc l'entrée, ça va être... Je confonds toujours les deux, en fait. L'entrée, c'est le blanc. Comme ceci. Faut vraiment pas trop traîner. Hein. En fait, je commence un petit peu à baliser là. Vous allez me finir tout ça rapido. Illico presto. Pendant ce temps-là, on va essayer de régler les problèmes de câbles. C'est-à-dire qu'il faut que je construise plus. Plus vite. Est-ce qu'on manque de matériaux éventuellement? Non, 9 tonnes de cuivre, c'est bon. The Hafner me rappelle que les slimes rapportent des spores. C'est pour ça que j'ai fait ceci. Hein. Il y aura une décontamination ici, une chambre de décontamination quand les gens vont rentrer. Donc logiquement, ce sera bon. Alors, on va passer par ici sans doute. Remonter là, ouais, il n'y a pas de problème. En même temps que j'y suis, alimenter les portes. Ok. Cool. Tout ça m'a l'air fort bon et fort bien. Et ici, on n'a plus trop d'ordres donnés, donc c'est pas mal. On est en train de rattraper le truc. Ce qui est bizarre, c'est que plus je nettoie et plus les gens sont stressés. C'est normal, ça me fait stresser aussi de nettoyer en fait. Peut-être qu'on a de nouveau des problèmes de décor. Suffisant. Peut certainement être... moins en partie une cause. Les gens qui doivent venir ici, qui ça leur plaît pas. Hop. Les zones de passage, ça va encore, je dirais, mais il y a certainement moyen d'améliorer encore. Ils viennent pas souvent, mais une fois que ça ce sera terminé, ils vont plus jamais venir. Hein. On va pas faire du décor là, ça sert à rien. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a tout ça qui les stresse. À mon avis, c'est les sorties qui les font pas mal stresser. Alors du coup, maintenant c'est accessible. On va demander de fouiller là-dedans. En même temps, j'ai 30 000 kilocalories, mais bon, c'est plus pour voir ce qui se passe. Ça va être vraiment très utile ou pas. Enfin, ça me stresse un petit peu, on va nettoyer. Bon, nourriture en tout cas, on est bon. Alors que je fais plus rien là, ça va. Tiens, c'est bizarre, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais bon. Peut-être que les champignons à eux seuls sont déjà assez efficaces. Je vais en remettre. Ok. Je peux pas mettre le oui. Je l'ai peut-être pas encore. Oula. Oula. Oh mon dieu. On a l'homme verte qui se fait prendre dans la glace carrément. Comment est-ce possible? C'est tombé du plafond.
Oh. D'accord. Ce qui s'est passé là, en fait elle est... on peut s'extraire d'une petite avalanche, ça marche. Du coup elle se barre. Chat échaudé craint l'eau froide, enfin elle, il, désolé mais vu le look. On récolte bien, en fait maintenant on nage dans la bouffe. On va peut-être monter à 11, mais je peux pas faire trop de conneries quand même. Je pense qu'on va monter à 11, comme ça on aura un petit peu plus de force de travail. Faut vraiment qu'on lance cette machine là. Je suis même pas sûr qu'avec une on va produire assez. On va creuser là. Là, on a tout ce qu'il faut pour atteindre ici. Mais de toute façon, c'est pas urgent ça. Parce que de toute façon, ce que je sais que le bas de mon réservoir, il va être ici. Donc on va y aller à fond pour placer la pompe. Voilà. Alors la pompe. Ça déjà. Ça stresse en plus. Je vais ralentir un petit peu. J'ai tendance à mettre à fond, mais là on va ralentir un petit peu. Parce que j'ai pas envie de me foirer. Franchement, le décor, on s'en fout. On va faire ça ainsi. Priorité 8. Mettre la priorité directement, c'est plus facile. Pour la suite, ça va être de l'eau claire qui va sortir. Donc, je vais rejoindre cet endroit-ci. On va même en profiter ici, comme on aura des tuyaux d'eau claire pour mettre un bassin qui fonctionne automatiquement. Mais calmons-nous parce que... On peut d'abord sauver la peau de la base. Avant toute chose. Pourquoi elle veut pas se mettre à 8? Je sais pas. Tant pis. Ah. Ouh! Est-ce que j'ai encore un lit bouché? Toujours le même, hein. Merde, on va mettre 7, disons. Bon, il reste l'électricité. Non, j'avais déjà fait. Seul truc, c'est que... qui se passe. Ah oui, là c'est toujours pas fini. Pourquoi? Parce que j'ai pas donné la priorité au minage, donc forcément ça va aller. On a quasiment plus d'eau. Je vous avais dit que l'eau était un problème, franchement. Alors on a quoi comme débit ici? Ça me dit pas. Alors je vais regarder ici. Plus 5 kg par seconde d'eau. Est-ce que c'est bien? Ça me paraît déjà pas mal.
Je vois comment l'eau contaminée arrive là. Il faut également que je fasse une pompe ici. Hein. On va connecter tout à 1 pour l'instant et on verra après si je dois en faire 2. Si je dois en faire 2, il y en a un qui sera connecté là et l'autre qui sera connecté là. C'est parti. Un peu stressé. Ok, on va mettre la pompe là. On va mettre en priorité quand même assez élevée également ça. 8. D'autant que la bouffe, ce qui peut être un peu inquiétant d'ailleurs. 29. 7. Donc là, on va arriver ici. Pas de problème. On va là. On fait ça. Hop. 7. Logiquement, si je mets comme ça, comme ils vont tous les deux dans ce sens-là, ça devrait être sans problème. Il manque l'énergie pour la pompe là-bas. Peut être un petit peu plus problématique. Parce que le plus simple, c'est que je suive comme ceci. Parce que passer par là, ça va être un peu compliqué. Ok. C'est bon. Les tuyaux. Ils sont déjà finis. Magnifique. Et ici, on va la finir en 7. Ok. Alors, qu'est-ce que vous m'en dites? Toute la base sera en priorité 9 à la fin si on continue comme ça. Pas du tout, tout ça est bien, bien organisé. Regarde. C'est pas abusé quand même. C'est surtout du 5 avec du 8 pour la nourriture. Et temporairement, je fais plus pour des choses qui vont être des constructions en fait, qui vont être terminées. Donc, juste pour... c'est temporaire, il n'y a aucun souci. En fait, la plupart sont en 5. Il manque l'énergie à la pompe d'eau usée, dit Furniav. Tout à fait. Donc là, je viens juste m'en occuper. Un stockage de sable près du purificateur d'eau, dit Mr. Tofu. Ouais, très bonne idée. Très très bonne idée. On va le faire. C'est urgent, mais pas urgentissime. Alors décor plus 20% quand vous êtes à moins 10. Je sais pas si du coup c'est plus négatif que ça l'était avant. Bon, l'immunité baisse beaucoup. Hein. Une fois qu'on aura terminé ça, je vais faire ma salle de médecine. Parce qu'on va commencer à avoir des malades. Je pense. Est-ce qu'on aura, on aurait un malade? Ça a l'air d'aller. Alors on n'a pas vu ce qui s'est passé malheureusement, j'étais pas là quand... Voilà, ils ont mis la petite piécette et puis il y a la nourriture qui est tombée, bon. On aurait récupéré le Wizwort, les deux. Alors là, on va aller voir si on peut les planter. La température ici, ça commence à devenir excessif. Zut. Word Seed 2. Quel est le problème? On peut pas les planter là-dedans apparemment. Je sais pas. Il me semblait que depuis les updates, on pouvait maintenant les planter correctement. Est-ce qu'il faut une farm tile éventuellement?
Je vais vous laisser éventuellement m'aider à répondre à cette question. Et on me dit, l'homme verte me dit, il y a déjà des malades dans la base, c'est vrai? Peut-être avec ceci, on va les trouver. Ouais, effectivement, oui. Ils ont le slime lung. Ou en tout cas, ils risquent de le choper. Ça, c'est leur immunité, d'accord. Ils ont chopé le slime lung. Je sais pas ce que ça fait. Voir, mais je suis pas sûr qu'il y ait l'info. Je vois pas l'info. Bon, c'est une maladie, de toute façon, c'est pas bon. On va s'occuper de ça après. Donc là, au moins, ça fonctionne. Ça fonctionne, on va stocker ici, donc. Tout ce qui est moyen de filtration. En gros, c'est du sable, rien d'autre. On voit que là, ça pompe, mais pas en permanence, donc... C'est bien, on va pouvoir re-remplir avec ça, je pense. J'espère que ce sera suffisant. On va nettoyer le sol ici. Voilà, quand ça commencera à devenir un peu trop vide en eau contaminée, on ouvrira ici. Ce que je vais peut-être faire, c'est avant d'ouvrir là, profiter d'ici pour aller ouvrir. Comme ceci, tranquillement. Idéalement, pour que ça coule bien, peut-être faire ça. En plus, c'est des algues, on pourra les récupérer. Bon. Alors, les Warseeds. D'après Zecker, donc l'Aerinoc et Drizzers me disent que c'est dans des pots de fleurs pour le décor. Excellent. Excellent. De toute façon, ça marche pas, c'est sûr, donc je vais l'enlever. Faut le savoir hein, quand même. Quand ce jeu va sortir en version finale, les amis, ça va être juste excellent le nombre de choses qu'il y aura à maîtriser. C'est pour ça que c'est pas plus mal de jouer déjà en alpha. Parce que sinon... Après, d'une alpha à l'autre, d'une update à l'autre, ça, il y a tellement de variations que j'ai l'impression de devoir réapprendre le jeu à chaque fois. Pour l'instant, je vais pas. J'ai trop peur de que ça foire, donc on va rester un peu à 10. Je vais rajouter après des gens. J'ai envie de voir en laissant juste les champignons. Ce qui est génial avec les champignons, c'est que ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin non plus d'eau et on a des bonnes calories sans eau. C'est vraiment pas mal. Alors on va construire donc. Je vous fais confiance, hein, on verra comment ça va se passer. Attendez, vous me dites que c'est dans une... Un truc pour le décor, mais c'est ça un truc pour le décor, c'est le planter box. On aurait du vomi dans la base? Qui m'a dit ça? Ça c'est grave. Hein. On voit pas ça, y a... si c'est ça que vous appelez vomi, non, c'est pas ça. Je vois pas de vomi, oui il y en a un petit peu, ouais. Nettoyer. Donc non, c'est pas ça, vu que ça j'ai déjà essayé. Je viens de le faire. D'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est moi qui ai dit une belle connerie. Effectivement, j'oubliais qu'il y avait les pots. On va mettre ça en 8 parce que je les veux très vite. Alors j'ai lu un autre commentaire, comme quoi il manquait ici. Les petits câbles, on va les faire. Directement au-dessus, hop. Permettre de vider ici tranquillement. C'est bon. Je vais récolter les algues qui sont ici. Bon, c'est pas le débit du siècle, 5 kg par seconde, mais je pense que ça devrait aller.
On va surveiller, d'accord? Je compte sur vous. Donc le vomi, je l'ai trouvé. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir planter effectivement World Seed. C'est nouveau ça. Hein. Enfin, c'est nouveau depuis que je joue au jeu. Voilà, planter, ça va permettre de refroidir un petit peu, faire tampon entre ceci et la zone à droite, tout en laissant évidemment le CO2 circuler. Ça me paraît top. Idéalement, il m'en faudrait peut-être un deuxième ici, en fait, je pense. Ce serait pas mal. Mais ce que je pourrais faire, c'est isoler là et là. Et peut-être qu'alors ici, on n'en a pas besoin. Alors, le choix des tuiles isolées, je pense que là, vraiment, c'est important de bien choisir la matière. Heureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. Réactif thermiquement. Pas trop sûr de ce que ça veut dire. Donc on a quoi? Obsidienne et roc igné. Il faudrait que je trouve de l'obsidienne pour pouvoir voir. Conductivité thermique 2. Ça me paraît pas mal en fait. Le granit c'est plus. Le grès c'est encore plus. Charbon ce n'est que 1. Ah, c'est 2. Le mieux c'est ce serait l'abyssalite. Hein. L'abyssalite là c'est en plus. Non seulement je fais une tuile isolante plutôt, mais en plus. Si je la fais en abyssalite, ce serait top. Est-ce que je peux pas le faire parce qu'on en a pas? On en a, donc c'est pas ça le problème. C'est juste qu'on peut pas. Le granit, je pense que c'était moins. Granit. Non, c'était plus. Bon, écoutez, on va le faire en obsidienne. Ça paraît a priori pas forcément une mauvaise idée. Ouais, le problème c'est ça. Je vais faire une couche supplémentaire ici. Et là, à terme, ces bazars-là devraient devenir plutôt des fermes, mais ce sera moins important vu qu'il fera plus frais. Normalement, ça je peux pas faire. C'est un peu sale ce que je fais là, mais bon. Le problème, c'est ce genre de choses. Faudrait doubler, en fait. Ouais, ça me plaît pas à terme de faire comme ça, mais je vais laisser ainsi pour l'instant. Après, le Wizard sera peut-être suffisant. Hein. Qui sait? Alors Warcal me demande une FAQ pour les 30 000, peut-être, après j'en fais chaque fois après les lives, mais peut-être une plus grande éventuellement, une plus longue, ça pourrait éventuellement. Est-ce qu'on en est ici? Donc là c'était bon, il faut juste nettoyer. Est-ce qu'on a encore de l'espace de stockage? Évidemment on n'en a plus, on va en refaire. Tout le monde a un lit, tout le monde dort bien, avec les saloperies de hatch au pied. Bon, on va continuer un peu l'exploration. Je pense que là, on est tranquille pour l'eau, quoique. C'est un peu inquiétant quand même. Hein. J'ai l'impression que j'en produis pas assez d'eau claire. Je pourrais facilement doubler ici, mais j'ai envie d'attendre de voir si le niveau va monter ou pas.
Alors, est-ce qu'on est à 30 000 finalement ou est-ce qu'on n'est pas à 30 000? Je peux pas les voir maintenant. Pas que ce soit tellement important, mais il y avait eu un genre de débat sur le Discord hier comme quoi on arriverait à 30 000 aujourd'hui ou pas, mais il est 11h28, donc il y a encore le temps d'y arriver. J'avais coupé ici, on va remettre. En algues, on est à 5 tonnes 8. Je vais faire un peu d'exploration ou de... Quand on va essayer d'en décoter plus. On a une porte de sécurité ici. Et là, on a un gros patch. On va aller un peu vers l'ouest. Vers l'ouest, vers la gauche. On pourrait peut-être passer par là. Vous pouvez trouver un de ces fichus geysers au moins une fois dans ma vie sur ce jeu. Ça ferait plaisir. On a là aussi, éventuellement. Et j'aimerais bien de toute façon explorer à gauche, donc je pense qu'on va... On va descendre. On va récolter un peu de charbon. Et je vais aller chercher ce patch ici d'algues. Je vais mettre en 6, histoire que ça se fasse avant les autres trucs moyennement importants. Allez. C'est très gros comme armoire, hein. Des centaines de kilos pour faire ça. C'est assez impressionnant. Évidemment là j'ai mis en 6 donc ça va plus se faire ici. Ok, très bien. Ok, j'avais dit que je ferais une salle de médecine. On le fera ici quand ça se terminera. On va aider un petit peu. Donc il faut quoi? Il faut des toilettes, si je me souviens bien, un lit médical et une table. Une table de massage devrait fonctionner, j'imagine. Il faut une porte. Minimum. Donc on va faire comme d'habitude l'entrée à gauche. Comme il y aura des toilettes, il faudra pouvoir se laver les mains. Donc on va fermer sur la droite. Les gens veulent sortir de la base. Quand ils sont là, bah ils doivent... Ils doivent quand même passer par là. Mais à terme, ils pourront passer par là et puis passer par là. Donc c'est pas trop dérangeant. Et puis c'est comme ça, on va le faire là quand même. Pour éventuellement venir... J'ai besoin d'eau, donc on va le faire ici. Ce sera le plus pratique. Donc, alors on a besoin de quoi? On a besoin du sink, des toilettes, d'une table de massage et d'une table de médecine. Est-ce que je vais pouvoir tout taper déjà? Ça va être tout juste. La table de massage, je suis pas sûr. En même temps, ça s'appelle table, donc je pourrais mettre une de ces deux-là en fait, mais on va mettre la table de massage. Hop. Et tout juste. On va mettre un peu de décor tant qu'on y est. Oups. Donc on va mettre un peu de décor dans la chambre ici. Ici. Là, pas trop d'ordre en même temps, attention. On va préparer la plomberie.
Alors, pour que ça se répartisse équitablement, je préfère toujours avoir un point unique de différenciation. Mais là, ça va être... Mais après, cela, on s'en servira moins souvent, je pense, donc... Sinon, je sépare avant, et du coup, il y a la moitié ici qui part à gauche, la moitié pour tout ça. 3 pour 2. Je pense que cela va être plus utilisé, donc je peux prendre, je pense... Ici, un quart du flux. Comme ça, et ici... va repartir comme ça. Ça me paraît bon. Je viendrai voir plus tard ce que ça donne. Il me faut encore une porte. A priori, on va pas produire trop de crasse. Je crois que ces toilettes-là ne produisent pas de d'oxygène pollué. Elles sont bien fermées. Bien, ok, ça c'est lancé. Et ah, ça avance bien ici. Alors on a de la chlorine. La chlorine, ça pourrait être pas mal si on voulait tenter la nouveauté qui est... Où est-ce que c'est? Où est-il? Le truc qui permet de nettoyer les minerais. Après, ça me paraît pas vraiment indispensable, donc je pense que je vais pas le faire pour pas perdre trop de temps. Mais le Earth Scrubber, il demande un apport en gaz sous forme de gaz de chlorine. Donc éventuellement, ça pourrait se faire. Mais ils sont seulement en train de finir ceci, dis donc. La bande de petits paresseux. Plantez-moi ce truc, s'il vous plaît. J'ai peur que mes champignons commencent à crever. Température 5 à 35, on est à 26,4, ça va encore. Ça aide aussi, hein, donc on l'a vu au début du live. Alors le CO2 s'accumule tout en bas, mais on n'y vit pas, donc c'est pas grave. Ça, on va redescendre d'un niveau. Mais j'ai du travail à faire en bas. Allez me dégager tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que quelqu'un voit un geyser, un de ces fichus geysers? Ah, on a du fer ici. C'est un métal malléable. Et bien pour construire les systèmes de génération d'énergie. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas relancé la production de nourriture. On va relancer ici le Lice Loaf. A priori, je devrais en avoir pas mal. Je vais voir ça ici. Il Lice 0. Pourquoi 0? Parce qu'il les bouffe tout de suite, en fait. Maintenant, ils vont, j'espère, les transformer. En tout cas, mes fermes n'ont aucun problème. Alors, on va peut-être... Déjà, je vais récolter les algues ici. Je vais peut-être pas ouvrir la chlorine. Quoique, ils vont juste... C'est pas trop dérangeant, je pense. Ici, on a la Bleach Stone. Toujours pas de geyser. Pas où on peut... trouver ça. Je suis déception. On va pousser encore sur la gauche, je pense. On va aller voir jusque là. Je vais faire des petites échelles pour pouvoir passer tranquillement par saut de puce. Et ça va me permettre
crois que j'allais trop vite là parce que je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Bah... Récolter tout en fait. Tout ce qu'il y a là, je le veux. Comme ça, je serai tranquille pour un moment. Et on va faire des échelles pour pouvoir récolter. Comme ça, ça devrait être bon. Ok. Je rejette. Alors, The Hafner dit, les geysers, c'est dans le biome de froid, ça ressemble à un mini-volcan. Les Ecker dit, ça n'est pas trouvable que dans le froid, donc pas très concluant de mon côté, je sais pas quoi penser. On va continuer à explorer un peu de tous les côtés. On va aller vers le bas aussi quand même avant la fin du live pour trouver... Oh, il y en a encore un ici. On va le prendre. C'est de l'oxygène pollué en bouteille. C'est sous forme solide, je pense que... Voilà, il est à moins 38 degrés. Et il est passé sous forme... Point de condensation, c'est moins 183 degrés. Moins 38. Bon, en haut, on a déjà été, je pense, assez bien en haut. Hein. J'ai pas besoin d'aller plus haut, on a trouvé un biome de froid. Encore une porte de sécurité. On va aller voir peut-être ce que c'est, ces portes de sécurité. J'en ai une ici. Il suffirait de faire une échelle. Enfin, suffirait, ça va me prendre un temps dingue, mais... On peut se faire... Pourquoi pas. Là, on verra quand est-ce qu'on aura le temps d'aller voir là, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, l'immunité des dégâts est remontée, ça c'est cool. Alors qu'on n'a pas du tout... Mais rien que le fait de travailler sur la salle de médecine, on sait pas, ça leur donne déjà l'impression d'être moins malade. Est-ce que la chlorine est mortelle maintenant? Parce qu'avant, ça faisait pas grand-chose, hein. C'est le cas, si c'est mortel, alors je peux peut-être changer mes plans. Mais si c'est pas le cas, on va laisser ainsi. Alors on a 16 500 kcal, ça remonte vite hein, une fois qu'on lance la production, il n'y a pas de problème. On va laisser en puissance max. Est-ce que l'eau remonte? J'ai l'impression qu'en tout cas, au moins elle descend plus. Et là, on est un petit peu redescendu, même. On est vachement redescendu. Donc, c'est bon. Je touche à rien pour l'instant. Je vais peut-être aller trouer ici juste pour le fun. Je pense qu'il n'y a pas de risque que ça déborde ici. Hein. On a largement autant que là avec tout ceci en place. On va creuser. Mettre en... Oui, parce que je trouve ça marrant de le faire tout de suite. Par toi, c'est bien. C'est bon. Encore une porte de sécurité, on a plein de trucs, on pourrait même à la limite de ne pas faire de plantation de ça et venir les récolter directement sur les trucs qui sont là. Franchement, je pourrais y arriver assez vite. Faisons un passage ici. Mais pas trop de choses à la fois. C'est bon. Suspense, lame verte. Formidable.
Alors. Écoutez, on avance. Hein. Moi, j'ai donné mes petits plans. Je peux pas faire beaucoup plus, donc je vais vous lire tranquillement. Tonton Dac demande si je pense faire un peu de Mudrunner. Oui, je l'ai pas dit au début du live, mais si j'ai le temps... après, si je suis encore un peu en forme, et si, quand je commencerai à être un petit peu trop fatigué sur, sur Onyx, je perdrai ma concentration de trop. On fera peut-être un petit peu de Mudrunner. Je voudrais bien vous montrer la mission suivante qui est assez dingue, en fait. Viafnor demande si c'est pas dangereux des fils électriques dans l'eau. Penses-tu ? Il y a aucun souci. Faut juste pas toucher l'eau, quoi. Non, c'est des câbles qui sont protégés, hein, il n'y a aucun souci. Attention, loft low. Ah non, là, il a fait le... J'ai rien dit, il a fait le canevas pour notre artiste en chef, l'homme vert qui va nous faire un tableau incroyable. Je n'en doute pas. Alors ici, on va en profiter pour remanier un petit peu. Parce que là, on est donc à 1440 max, c'est trop. Donc ça, ça va repasser sur le réseau du bas. Et ça aussi. Sans trop de difficulté, il suffit de couper là. Pas non plus que je mette trop dessus. Hein. On pourrait juste reprendre celui-là, peut-être. On sera encore à 1200 sur l'autre, c'est trop. Je prends ça et ça en plus, c'est bon. Ça paraît pas un mauvais plan du coup. Les câbles sont moches, c'est toujours le problème, mais si je fais ça comme ça par exemple, je passe dans le mur. Là, il n'y a aucun souci. Une fois que ceci sera terminé, on coupera vite ici. Parce que sinon, il y aura un gros, gros afflux de... Je veux dire, le... Le réseau supportera pas là. Il y aura trop d'énergie qui sera connectée. On va terminer ça. Et juste ensuite, quasiment dans le même temps, en fait, il faudrait que je supprime la connexion. En fait, je peux déjà la supprimer parce que ça n'alimente que ça. Et donc, je le ferai en priorité 9, juste avant que le reste se termine. La pompe, c'est pas grave si elle ne marche plus pendant quelques secondes. Hein. On peut s'en tirer sans. Ils veulent bien travailler dessus. Priorité 8 quand même les gars, c'est pas pour vous stresser mais... Ils sont partis. Donc il va stresser. Et donc on va déconstruire les câbles qui sont ceux-là. Mettre ça en priorité 9. Je veux que ça se fasse tout de suite. Illico presto. C'est bon. Oh, attendez. Faut que j'enlève aussi... que je refasse le câblage ici. Donc on a du fer quand même maintenant en quantité pas trop mal. Décor moins 5. C'est vraiment dommage que quand on choisisse le matériau, on puisse pas avoir les caractéristiques de conductivité ou autre, parce que c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Je change ça. Et on va enlever ici. Là, je suis pas trop mal. Je vais encore beaucoup bouger, je pense. Je fais ça comme ça. Est-ce que c'est pas accessible? Là, je suis un peu mal. Je me le mets pas. Oh, c'est pas accessible. On va détruire la case qui est là, en construction.
Priorité max. Allez, on y va. On fait le câble. Ok. Donc maintenant, on a ici... Ah, maintenant on a 1320 de ce côté-là. Mon dieu, j'avais pas calculé. Bon, là, il est bon. Il est parfait, celui-là, 960. C'est impeccable, faut plus y toucher. Mais celui-là, maintenant, il est un petit peu trop. Après, c'est en max. Hein. On est là à 240, 0, 720, ça va. Et il faudra plus tard reprendre ceci sur un autre. Ceci et ça aussi, probablement. Ok, c'est pas trop mal. Pas trop mal. L'eau est toujours... Faudra faire un deuxième de ce truc là. Ça c'est clair. Alors on me demande de changer la priorité du creusage pour l'accessibilité. C'est Choufric qui demande ça. L'accessibilité de quoi? De quel creusage tu parles? Pas sûr de comprendre. La température là, on fait bien tampon. 24. Alors on en a d'autres, donc s'il y a besoin, je pourrais doubler. Là, c'est pas parfait. Il faudrait au moins que je fasse... Là, je peux pas le mettre, mais là, je peux le mettre. Que je fasse ça et qu'on détruise ici. Et que là, on mette une case isolée. Les batteries, on va commencer à avoir des sérieux stocks d'énergie maintenant, c'est pas mal. Pas encore fini bien sûr. J'espère que la chlorine ne va pas tuer mes gars. Je serai déception. Je vais faire une petite pause. Je pense qu'elle sera la bienvenue, mais j'ai envie de continuer sur le jeu après, même s'il est minuit moins 10, j'ai relativement le temps aujourd'hui. Demain c'est changement d'heure, hein, donc on va gagner une heure le matin. Ouais, ça me paraît le bienvenu. Allez, on fait une pause, je pense quand même bien, de 3-4 minutes, voire 5 minutes, pour vraiment bien prendre le temps de se relaxer un petit peu, pour moi en tout cas, et manger un petit truc. Et on se retrouve d'ici... Donc 5 minutes, c'est pas la fin du live, donc restez si vous voulez. Sinon je vous dis une bonne nuit et je vous remercie d'être passé. Ça fait bien plaisir, donc à bientôt pour ceux qui partent et à tout de suite pour ceux qui restent.